Salut à tous et bienvenue à la chaîne 7 jeux et salons. Hello tout le monde. Et voilà, bon bah vous la connaissez déjà. Ding ding. Voilà. Bon bah alors là on s'était arrêté avec la harpe je crois. Donc on avait fait le quatrième objet. Voilà ouais. Et surtout qu'en plus qu'on vous remercie parce qu'il y a 300 abonnés. Ouais, ça, franchement, on nous a mis un petit message de remerciement sur la chaîne Instagram, on n'y croyait pas. Ouais. Moi, quand on était à 250, déjà je disais à Ced, bah écoute, déjà 250 c'est bien, là je pense qu'on va peut-être galérer un petit peu plus. Surtout que n'oubliez pas que normalement on a le tirage au sort dimanche. Parce qu'on avait fait un petit truc pour remercier 200 abonnés. Et en fait, on se rend compte que dimanche, on fait le tirage au sort des 200. Ouais. Il faut qu'on fasse un nouveau concours pour les 300 abonnés. Quoi. Donc, c'est super. Vous nous avez devancé, mais d'une force, ça a été très... violent. Oh la vache. Oh, les 300, c'est... Oh, mais il y en a 100 qui sont venus, mais on s'y attendait même pas. C'est déjà tout à l'heure, on a atteint les 300, on était contents. Et je crois qu'on est déjà à 307. Ouais. Donc, 300, on a 7 ou plus. Ouais, ça s'arrête pas. Donc, c'est super. Oh, purée, bon, on espère que vous nous resterez fidèles parce que bien évidemment on a le phénomène des subs qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi, et qui après ils réapparaissent. C'est des choses qui arrivent ça. Tout de suite moi je propose qu'on continue. Donc toujours en mode découverte, hein, vous savez bien que le jeu, vous voyez bien, à chaque fois on est au même point que la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on ne joue pas entre les deux. C'est-à-dire que vous suivez notre progression en temps réel. Ah bah oui, regardez la sauvegarde déjà. Donc voilà. Donc on continue. Pendant le chargement, j'en profite pour vous dire, si on n'est pas trop actif ce week-end, bon, on essaiera quand même de faire des lives à Paris Manga, mais on a un week-end très chargé entre Paris Manga demain et une très très grande brocante dans notre ville le dimanche. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pendant le week-end. Oui. Alors, moi, je me suis mis dans le village Coco, puis après, j'ai enregistré ici, mais sinon, j'ai rien fait de plus. Donc, alors, du coup, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est récupérer... le cinquième instrument. C'est ça, Et essayer d'avoir un petit peu plus de cœurs, parce qu'on galère quand même à avoir des cœurs supplémentaires. On a vu déjà, on a certains de nos abonnés qui sont dessus. Qui nous a dit de nous mettre là. Ouais, la pêche aussi. Mais j'avais déjà fait de la pêche, j'ai déjà gagné un cœur, donc je sais pas si on continue, quand on en gagne plus et tout. Parce que lui, il parlait au début du jeu, donc ça peut être ça. Ouais. Parce qu'on a des abonnés IT Gamers qui nous écoutent, qui l'ont fini, on en a qui commencent, on en a d'autres qui sont plutôt sur des vidéos tuto, donc sur des passages bien précis. Ouais. Mais nous, on a préféré tout faire du début. Et puis, on vous promet, le jour où on aura du matériel un peu mieux, on fera des lives. Oui, on vous en fera du live. Hein, ça, oh là là, une très grosse prise, monsieur. Ouais. De 89 cm, ça fait beaucoup. Ça rapporte quelque chose, ça. Une prise comme celle-ci, ça vaut bien 26 rubis. Il va nous les donner. Ouais. Ah ouais. En récompense pour ta prise, je t'offre un nouveau leurre. Oh, cool, on peut repêcher. Vous avez obtenu le leurre standard. Il attira plus facilement les poissons des eaux un peu plus profondes. C'est la première fois que tu remontes une aussi grosse prise. En récompense, je t'offre un fragment de cœur. Ah ouais, cool. Oh bah. Vous avez obtenu un fragment de cœur. Mmh. Vous pouvez vérifier combien vous en avez en ouvrant votre inventaire avec plus. Tu vas encore pêcher. Je vais essayer l'autre leurre pour voir ce que ça donne. Alors, quel type de leurre veux-tu? C'est le standard qu'on a. Ah ouais? Ouais. Et c'est celui qui va dans les eaux profondes, je crois, il a dit, non? Ouais. Ouais, c'est celui-là. C'est le standard. Hop. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais il y a un flacon. Ouais, il y a un truc. Et le flacon, ça sert à enfermer une feuille comme ça, si tu meurs, tu ressuscites.
Mais bon, j'en ai déjà un de flacon, c'est pas ça que je vais pas la récupérer. Vas-y, prends-le. Ouais, parce que lui, il était vachement gros quand même au milieu. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, on va essayer d'avoir celui du milieu. Si ça peut débloquer des trucs en même non, temps. Non, on sait pas, hein. Tué quoi. Puis il s'est barré en plus. Hein. Ouais, ouais, il s'est barré. Hein. Non, mais. Hein. Oh bah, il revient. Oh là, lolo. Et il est encore plus gros chez moi. Ah, hey, t'as mangé un petit casal avant de revenir ou quoi? C'est le même, je crois. Allez, fais miam miam. Fais miam miam. Allez, miam miam. Allez, viens, Maurice. Allez, ouais. Et voilà. Vous avez pêché un gros poisson. Il pèse lourd. 87,32, c'est énorme. Mais c'est pas notre corps, je crois. C'était ouais. 89 tout à l'heure. Hein. Ouais. Ça vaut bien 26 rubis. Oh, bah, c'est cool. Tu veux encore pêcher? Ah, il nous a pas redonné le fragment de cœur. Ouais. Bon, on va pêcher vite fait, parce qu'il faut pas oublier que l'on doit avancer dans les aventures. Oui, mais bon, c'est une découverte, n'importe qui achète un jeu, je pense qu'à un moment donné, il y a des jours, si tu es dans l'exploration, tu t'amuses, voilà, tu vas chercher des rubis, tu vas couper de l'herbe. Ah bah oui. Moi, je sais que je serais capable de passer une après-midi comme ça, juste pour avoir des rubis. Ouais, bah si, ouais. À vider tout le... Tout le lac. Ouais, on va pas faire ça parce que sinon on va y passer la journée, quoi. Mais bon. Eh ben, à que coucou, il est porté, à que coucou, hein. Oh ben, attends. Elle est pas qui, hein. Un pauvre petit poisson, et puis j'ai un machin. J'ai un nouvel absent, et. Ah, c'est plus facile sur Game Boy. Bon, c'est pas grave. Tiens, toi. Merde. Tu devrais en profiter, même si on est en découverte, c'est pas grave, on fera des pauses avec Alors Media, mais vraiment on est pur, on gagne des rubis. On est pur, on gagne des rubis. Bah tiens, voilà, parce qu'on a dépensé avec la pêche, alors non. Ah oui, oui, oui. Quitte à être là. Hein. Puis on sait jamais s'il y a nos abonnés. Enfin, il y en a qui ont peut-être pas vu les premières vidéos, qui sont peut-être plus intéressés, tu vois, à partir du 5e boss. Enfin, je sais pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, toujours se dire, on sait jamais. Par contre, il y a une nouveauté à comparer à la Game Boy que j'ai remarqué. C'est que, je vais le montrer là, c'est que quand on fait ça là, il reste toujours une touffe d'herbe en dessous de nous. Ah ouais. Et là, regarde, même pas de touffe d'herbe en dessous de nous. D'ailleurs, pour faire ça, tu fais quoi comme manipulation? Ah, je reste appuyé sur B. Je reste appuyé sur l'épée, puis ensuite après, je relâche. Ok. Voilà. Il faut le dire à mes abonnés. Ah bah oui, hein, surtout qu'un 300, purée, quoi. Ouais. Voilà, ce qui est bien sur la version de la Switch, il nous montre où on doit aller. Je sais pas si c'est un bien, mais bon, pour ceux qui connaissent pas encore Zelda, voilà. Bon, en fait, vous voyez ici, là, c'est en zone de surbrillance. Et les zones en surbrillance, c'est là où c'est qu'on doit aller. Donc tu te téléportes là-bas? Ben, en fait, si je me téléporte, je suis pas sûr que ça va m'emmener à côté. Ouais, on va voir. Alors, histoire d'aller plus vite, il me semble que oui. Voilà. Dans le village des animaux. Alors, on fait un zoom pour bien savoir. Ben en fait, ça serait un peu plus complexe que l'on croirait. Bah, de toute façon, on est là pour découvrir, hein, en même temps.
il est là, il arrive. J'étais en train de nager dans la baie et une vague a emporté mon précieux collier. Si tu le trouves, je saurai te récompenser comme il se doit. Non, ouais, tout rouge. Même pas, putain. Hé, hey, on n'est pas dans la fin d'un monde Mario, frérot. Ouais. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Pour ouvrir ce passage, il faut d'abord que je trouve son collier. Mais avant tout ça, il faut d'abord que je fasse, que je donne la fleur. Après la fleur, on va me donner une lettre. Et après cette lettre, c'est assez vague. Hein. Non, c'est pas ici. À qui je dois donner la fleur ? Ah. Oh, tu m'as apporté un hibiscus, comme c'est gentil. J'ai une faveur à te demander, je peux? J'aimerais te confier une lettre pour Mr. White, qui habite à l'orée de la forêt. Merci d'avance. Vous avez échangé l'hibiscus contre une lettre de chèvre. C'est super. Elle était toute rouge, la dame, t'as vu? Ouais. Elle était tout rouge, elle a rougi. Hein. Continue comme ça et tu vas nous faire du chavron, toi. Bon, alors, du coup, après, il faut se re-téléporter. Ouais, c'est vachement pratique, ce machin. Alors, ensuite, le mec, pour le téléporter, on doit se téléporter ici, si je ne m'abuse. Donc on peut toujours aller là, pour ensuite après passer par là, ok. Ben vous savez quoi, on va plutôt se téléporter là. C'est un chemin plus... moins difficile. Ouais, parce que après il fallait que je passe par là, que je contourne le donjon là. Et que là, il n'y a rien qu'à faire ça. Et c'est là où je sais que j'ai sauvé le toutou. Oh zut, ah bah désolé, tu... il est partout lui maintenant, là, parce que c'est pour me rappeler qu'il y a un donjon à personnaliser et tout ça. Là. Oh mais zut. Je me lance dessus, ça en plus. Une lettre de Christine pour moi, mais c'est formidable. Mais comment il peut savoir? Parce que ça sent la chèvre, vous voyez. Il y a même une photo. On peut la voir? Il y a une arnaque, là. C'est pas elle, hein. C'est pas elle. En plus, il y a son empreinte, genre, et tout, mais ouais. C'est pas elle. Mmh. Oh là là. Non, en fait, c'est comme dans la vie réelle. Ouais, c'était sur Mythique. Ouais, Mythique. Ouh, quelle beauté. J'aimerais te remercier. Ouais, mais c'est pas elle. Mais toi, sur Snapchat, c'est plus direct. Hein. Mais je n'ai que ce balai à t'offrir. En veux-tu? Tu veux du balai? Mais le balai, quoi faire, par contre? Bah, tu vas le prendre, de toute façon. Ouais. Le Dr. Wright nous a offert un balai, mais cette photo, c'était pas... Si, c'était... Si.
il faut que tu te réveilles. Ce n'est pas elle. Non, il veut pas. Et vu comme quoi que c'est assez vague, maintenant il faut que j'arrive à me rappeler à qui donner le balai. Ouais, des fois je tape dans les arbres parce que en fait, en tapant dans les arbres, ça vous donne aussi des rubis ou alors des coquillages. Si vous voyez un arbre du genre, comme même ici là, ça peut ben, vous donner parfois des choses en cognant là ou là. Sauf que là, ça donne rien, mais sur certains, ça donne des choses. Vous voyez, je vous ai pas menti. Là, il m'a donné une bombe en faisant comme ça, tout simplement. Donc avec ça, je dis, on pourrait passer une après-midi comme des cons à faire des trucs comme ça. Ouais, bah oui. Et ça sert beaucoup en plus. Mais bon, là, à Noël, on y sera encore, les gars. Ah bah oui. Putain, on le fera peut-être après. Oui. Quand on aura fini le jeu. Par contre, je sais plus si. Enfin, je sais pas si. Si c'est cette maison-là ou un autre, je sais qu'il y a un passage secret en faisant péter un mur. Bah, il faut en garder. Un mur dans une maison, ou je sais pas quoi, là, et tout. Ouais. Ça a pas l'air d'être là. Hein. Ouais. Ça a pas l'air d'être là, mais. Attends, je vois si le balai, c'est pas elle qui me l'est. Mes quadrupés se ressemblent tant que moi-même je m'y perds. C'est embêtant. Genre, bah, fais-leur une marque de naissance. Tatouage, tu sais, tu vas chez le tatoueur. Ouais. Alors excusez-moi, hein, bon, mais faut que je la reconnaisse, vous comprenez. Vous mettez un 2, 3, 4. Ouais. Vous voyez, un truc à tribal à la Prison Break. Ah, t'as plus de balai, toi. Ah bah. Youpi. Ah bah voilà. Un balai neuf. Merci, c'est bien pour moi. Oh bah oui, madame. Ah. Bah qu'est-ce que je pourrais en faire, Ginette? En remerciement, je t'offre cet hameçon que j'ai trouvé au bord de la rivière. Vous avez échangé le balai contre l'hameçon. Contre quoi le troquerez-vous donc? Ah bah ça. L'hameçon. Là. Ah mince, c'est pas... Oui, là, c'est un son. Ouais. Voilà, comme ça on pourra se téléporter ici. L'hameçon, par contre, j'ai un trou. Alors, pour savoir où va l'hameçon, on va essayer. Dans les alentours de là, peut-être. De la rivière. Ouais. Ça serait quand même logique d'aller chercher du côté de la rivière, non? Bah logiquement oui. Oui. Mais j'ai été faire un tour ici pour savoir. Tu sais, pour montrer ce que l'on débloque avec les fameux
Ouais, un cœur de plus. Oh bah, merci monsieur. Voilà. Maintenant, il faut peut-être que je cherche au niveau du château. Il y a peut-être un pêcheur sur la rivière, j'en sais rien. Ouais. En fait, je suis pas loin du château. Parce que là-bas, c'est allumé, t'as vu ou pas? Ouais, ouais, c'est là l'objectif, mais avant d'atteindre cet objectif. Ah, mais ça se peut, il y a quelqu'un là-bas qui a besoin d'un hameçon. Ouais. Il y a de l'eau. Ouais, ouais. Bon, on va jeter un coup d'œil alors. L'endroit le plus facile. Bon, on va aller là, hein. C'est l'endroit le plus facile pour y accéder. Hein. Parce que moi, je croyais que c'était quelque part dans les alentours, dans le château, je croyais. Mais... Ça fait 21 minutes, là, on fait pas une pause médiane pour être sûr. Ouais, si on peut. Ouais, d'accord. À toutes. Ok, à toutes, excusez-nous pour la verre médiane. Et la suite? Va-t-on y arriver? Ouais, la suite. Bon, alors, parce que c'est sur la Game Boy, c'est, je connais le jeu par cœur hein, sur la Game Boy. Mais il y a des passages comme bah, ça, c'est assez vague. Le problème, c'est que graphiquement... C'est... Enfin, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. C'est un petit peu quelque chose près. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu pas regarde, pareil. Regarde, il y a un passage là. Ah, il y a un trou dans le pont. Sous le pont dort un secret. Ouais, voilà, c'est lui là. Là, regarde, il y a un trou là. Ouais, ouais. Là. Ouais, ouais. C'est là. Oui, tiens, tu vois, c'est assez rare hein, de se souvenir. Et il y a un pêcheur, bah c'est pour ouais. lui. Ouais, j'ai cru que sur la Game Boy c'était une fille. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main, n'est-ce pas un hameçon? Bah oui, il est même planté, tu peux me lever. Si tu me le donnes, je te ferai don de la prochaine prise, d'accord? D'accord. Ouvre les yeux et mate le pro. Enfin, il ressemble plus à un bûcheron qu'à un pêcheur. Hein, c'est vrai, ouais. Avec ouais. le casque et tout, tu sais, pour le bruit, là. Ouais. Ah, je sens qu'il est énorme. Bah... C'est le collier qu'on oh, cherche. La vache. J'ai reçu un collier en échange de l'hameçon. Génial. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas échanger pour arriver au bout du bout hein. Ouais. Est-ce que quelqu'un l'a perdu? Bah oui. Bah oui, c'est... Question stupide. Bah allez, je vous laisse deviner les enfants. C'est qui? C'est stupide. C'est la sirène. Oui, bravo. Caral. C'est la sirène. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? Tu me vois plus. Ah, puis elle est là. En fait, on était à côté depuis le début. Oui. Oh, la rage. Hein. Ah, le voilà, c'est mon collier. Donne-le-moi. Elle est toute rouge. C'est ouais. qu'un collier, mais... Je t'offrirai une de mes écailles. Allez, marché conclu. Oh, ben... Hein? N'en prends qu'une seule. Hein. Ah, c'est lui qui l'arrache. Pourquoi t'es toute rouge? C'est pourquoi? Pour l'écaille. Ah ouais, parce qu'elle l'écaille. Vous avez échangé le collier contre une écaille. À quoi vous servira-t-elle? Ah bah ça, c'est toujours la bonne question. Ah non, c'est la quête des échanges, hein, cette partie-là. Ouais. Et je dois la poser là-dessus, là, sur la sirène. Ah ouais? Ouais. Mais n'empêche, je me dis, non, parce que bon, toi, tu as des bons souvenirs du jeu Game Boy. Mais le pauvre gamin ou la pauvre personne qui n'a pas joué à la version Game Boy. Non, parce que comment tu fais pour... Moi, j'aurais déjà ragé dessus, hein. Bah, la première fois que j'ai joué à ce jeu sur la Game Boy, j'ai ragé dessus. J'ai bloqué pendant des mois et des mois et des mois, et puis en plus qu'Internet n'existait pas en ce temps-là. Alors pour savoir où mais on sait qu'on va, qu'est-ce qu'on fait et tout ça, c'était vraiment, vraiment, mais vraiment compliqué quoi. Ah mince, par contre toi ouais, il y a ça comme problème. Euh...
Là, par contre, là, il y a un problème. Ouais. C'est quoi le problème? Bah, c'est que... c'est que je ne peux pas accéder directement dans le mais les cas, il ne faut pas que tu la mettes quelque part, ou quelque chose? Si. Dans la sirène. Et tu l'as mis? Non, parce que je ne peux pas passer de là à là. Je tombe dans l'eau automatiquement. Ouais, c'est assez vague. Alors, si ça se trouve, il faut que je rentre à l'intérieur, qu'il m'ouvre un petit passage quelque part par là. Et ensuite, après, voilà. Je pense que c'est un truc comme ça. Alors, on va essayer ça tout de suite. Hein. En faisant de la marche, on va optimiser nos marches. Alors... C'est marrant, on n'a pas vu le hibou, là. Ouais, parce que le hibou, s'il vient quand ça l'arrange, tu vois. Alors, le passage le plus court, c'est ici. Voilà, ici, comment on peut faire? Eh bien, tu fais comme ça, hop, et hop. Ensuite, après, tu fais hop. Voilà. Ensuite, après, tu recules. Tu mets ta plume. Et ta pelle. Voilà. Il doit te manquer un outil pour aller. J'ai l'impression qu'il me manque le grappin, j'ai l'impression, mais le seul problème c'est que je ne sais plus comment on l'a. J'essaie de me souvenir en attendant de faire où il est par là. Là, il y a forcément un truc qu'on a loupé alors. Comment peut-on avoir le grappin? C'est quoi, boomerang? Hein? Un boomerang? Non, comment ça s'appelle? Non, le grappin, c'est une espèce de grappin. Bah c'est là, si tu sais pas, je peux pas t'aider. Ah, puis moi je zappe et tout, je t'ai même pas mis les signes. Désolé. Alors, bien fait pour toi, tu as vu tout ce que tu dois porter maintenant. Ah ouais? C'est où qu'on a vu? Attention de toi à la royure. Renaud, au début, non, on a pas loupé un truc, hein? Bah c'est qu'en fait, j'ai été voir une espèce de diablotin qui me donne des trucs en plus. Ouais. Ça, c'est pour augmenter le nombre de bombes ou de poudre ou de trucs comme ça, tu vois. Ah zut. Ouais, c'est en même temps je déblaye pour voir s'il n'y a pas un petit. Et ça serait pas dans l'eau, faut pas nager dans l'eau. Pour le moment là tout de suite je me rappelle pas mais j'essaie de me souvenir. Thank you.
Ah, il me semble bien qu'il y avait un petit coquillage quelque part. Ouais, mais j'essaie de m'en souvenir, j'y arrive pas. Là, il n'y a pas un passage secret, quelque chose en dessous? Si, si, c'est pour ça que j'y vais, en fait. Mais j'essaie de me rappeler pour le grappin, mais je n'arrive pas à me le... Mais ça doit être par là, hein, je pense. Hein. De toute façon, là, on a tout regardé. Bah, c'est que là, en fait, là, j'y vais instinctivement de mémoire, en fait. On ouvre là dans la gueule de la bestiole, du poisson-chat, parce que ça ressemble à un poisson-chat. Mmh. Hein. Alors... Ah, c'est poisson-chat. Ouais, déjà, ouais. Hein. Je vois la vie rose. Ah purée. On avance les abonnés, nous avançons. Oh, oui. Mais je crois que c'est ici en fait qu'on a un grappin avec un squelette. Il y a un boss intermédiaire. Un mini boss, ouais. Je déteste mes chauves-souris avec leurs mouvements qui sont imprévisibles. Putain, oh le Pokémon là. Voilà. Patatatata. Eh oui, une boussole pour te repérer, tellement que t'es un imbécile. Waouh, il m'a touché, il m'a retouché. Bam bam. Ah oui. C'est pas ça. Et voilà. Allez, c'est doux. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va faire ça très vite. Attention, ouais, c'est bon, tu as fini le jeu. Rêve pas, hein, Jeannot. Ouais. Voilà, première clé. On n'a pas du tout regardé, hein, je pense. Hein. Bizarre qu'il se passe rien là. Ici, ouais, c'est bizarre. Ouais. Thank you.
Eh oui, on peut le faire aussi avec, avec la botte, hein, c'est pas ça. Je pense qu'en fait, on va rester longtemps dans ce... Je crois qu'il y a beaucoup de choses à voir là. Ici, là ? Non, je pense. Ouais, je vais essayer d'aller très très vite. Non, non, mais je pense que ça va être... Je veux commencer... Ça me rappelle le boss 4, on était resté longtemps sur un petit truc, parce que... Hein, ah oui, 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 ça c'est clair que plus on avance et plus les donjons ils sont plus grands. Mince, j'ai pas eu le réflexe de... Hop là. Oh, mais crotte, hein, flûte à la vanille. Hein. Une flûte à la vanille? Ouais. En plus, je sais même pas si ça se fait, ça. Une flûte, c'est une baguette. Une baguette très fine. Ah, oui. Oui. Tu le vois, ça, hein. Furé. En fait, t'es obligé de te faire. Oh la vache! Bah, je croyais qu'ils allaient te remettre au début, tu sais. Mais en fait, ici, c'est le grappin qu'il faut là. Pour ici. Tu vois? Mmh. Ouais, en fait, c'était pas nécessaire d'y aller là parce qu'il fallait un grappin. Oh! J'ai appuyé hein, dans une banane! On me ferme la porte partout. Ouais. Là-bas, là. Ah ouais, justement, il faut le grappin. Parce que quand on n'a pas de grappin, regarde ce que ça fait, en fait. C'est qu'on ne peut pas sauter plus que 3 cases. Tu vois. Et en fait, ouais, avec le grappin, je le prends, je le tire. Où il y a le vase. Bah, en fait, comment je l'enlève, le vase? Non, mais tu peux pas pousser les trucs, là? Non, je peux pas. Ouais. Oh bah. Mais crotte, je fais n'importe quoi en ce moment. En même temps, t'es sous antibiotique, hein. Ah bah tiens, il y aura lui qui va, ouais, il va éclairer notre lanterne. Là, tu crois pas qu'il y a une bombe à mettre quelque chose là dans le mur là, non? Non. Non, bah, vas-y alors. Non? Je sais pas. Bon, on va voir, on va tester. Hein. Ici là? Ouais. Voilà. Ouais. Mais bon, ça valait le coup quand même de regarder. Hein. Non, moi je pense pas. Ouais, ça est immortel ces boules. Ah ouais. T'as plus que 3 quarts. Hein. Ouais. On a été là-bas? Ouais. Ah mes crottes. Ah mes crottes. Mais alors? Non, mais en fait, c'est à cause de boutons Star et Stelect. Ils sont, tu sais, sur la Switch. Ils sont. Voilà. Voilà, donc. Là-bas. Il on te a dit d'aller regardé. Là-bas, t'as vu? Ouais. Non, ça c'est la flèche. Ah ouais? Parce enfin, qu'il y a un coffre peut-être. Là-bas, on peut pas non, aller. Non, en fait, ça, c'est l'entrée, ça. Ok. Ok, pour ça qu'il y a une flèche, parce que c'est l'entrée. Parce que là, il y a un coffre et... qu'on n'a pas ouvert. Hein. Ouais. Et là, ici, là... Et qui est accessible, maintenant, il y a rentrer. Le grappin. Là, il faut le grappin. Et bon, en fait, c'est là qu'on n'a pas regardé. C'est tout ça, là. Et l'escalier qui descend en bas, là, on a été, là. Oui. Ouais. Bah, c'est qu'il faut qu'on explore ailleurs, alors. Et tout à fait. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce jeu, on ne peut mourir qu'avec des boss. Là, c'est on avance dans le bon, dans le bon chemin.
Ok, là en gros il dit comme quoi que le squelette machin bidule avec l'épée. Alors là il y a un squelette et c'est lui qui va me donner le grappin. Ou c'est l'autre que je dois rejoindre dans la pièce qui est vide. Au fait. Ça c'est le premier squelette ça. Ah oui, la bombe. Oui, voilà, oui. On est dans le bon truc là. Je ne peux pas te battre, j'abandonne. Ouais, ouais, ça sent le roussi cette histoire. Il abandonne, mais en fait, il faut que j'aille le rejoindre dans l'autre pièce qui est vide. C'est là qu'on a dit, tiens, comment ça se fait qu'il se passe rien ici là. Et ben justement. Moi, je pense que c'est que quand on vaincra lui. Tiens, va voir le hibou là-bas. Oui, oui, s'il nous a donné des indices par rapport au squelette, comme quoi que l'épée ne lui ferait pas autant de dégâts. Bah, je pense que c'est que quand tu l'auras vraiment vaincu que j'aurai le grappin. Que t'auras le grappin. Ouais, ouais. C'est exactement ça. J'avais un petit doute quand même. Mais moi, je pensais qu'il fallait avoir le grappin selon la mémoire, tu sais. Bah, on vous propose de refaire une petite pause de toute façon, là, parce qu'on a 21 minutes. Et je pense que Seb a besoin d'un café. Oui. Et de prendre mon médicament. Peut-être. Peut-être que lorsqu'il sera dans un état second, les amis, il ira mieux. Oh, oui. Bon, allez, on va faire une pause média là tout de suite quand je serai à l'abri. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que voilà. Pas une bonne... Un endroit comme celui-là, hein, à mon avis, ça me paraît un peu propice, non? C'est bien ici. Ouais, ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air bien. Allez, bon, à toutes. Ne bouge pas. Et de retour hein, avec un bon petit café. Un cappuccino et 4 crêpes. On a pris des forces. Exactement, ouais, voilà. Et en attendant que Didi me fasse un café, bah, j'étais parti récupérer des cœurs hein, pour ne pas mourir bêtement. Ouais, parce que bon, les crêpes, elles étaient déjà faites parce que dites-nous que chez nous, c'est une auberge de jeunesse. Hein. Nous, on va à Paris Manga, mais on emmène toute une ribambelle avec nous. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, si vous allez nous... Mais là, je vais y arriver. Le café, il est pas assez fort, les gars. Si vous allez nous suivre... avec le live, en fait, vous allez tout voir. Parce qu'il y a le son de... Voilà. J'ai pris ce qu'il y avait dans ce coffre. Viens le chercher si tu l'oses. Bah oui, il s'est barré, le connard. Ouais, c'est lui qui nous a piqué le grappin. Le salaud. Le salaud. Je l'aurai, oui. Ouais, pop. Oh, purée, ça s'est pas effacé. Oh, c'est cool. Non, ok, bon. Bah, j'ai rêvé. On va essayer ici. Non, mais... Ah oui, il y a un bouton, je sais pas quoi là. Ouais, c'est pour ça que. Mais à chaque fois, j'ai pas le temps de. Voilà. Ah, ok, c'était pour la porte là. Sinon, il y a quoi ici? Il y a ça, ok. Oui, je regarde les lieux hein, avant de foncer bêtement. Ah! T'as vu, maintenant, il y en a deux, les ouais. Trucs bleus. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, après, ça va aller jusqu'à 4. Il fallait que je fasse gaffe avec mes bombes.
Ah, je ne peux pas te battre, j'abandonne. Bah, ça fait la deuxième fois. Oscar, hein. Tu commences à nous faire chier, hein. Ouais. C'est dommage qu'il ne nous laisse pas des petits cœurs à chaque fois que l'on le bat, tu sais. On va pas aller tout de suite ici, hein. On va ici plutôt. Oula. Oui, pour éviter les accidents, que j'utilise des bombes dans le vide. Voilà. Ouais, justement, je me faisais avec et tout. Ah oui, ici, là. Non, attends. Mario! Non, ça fait pas Mario, ici? Bah, la musique. Ah oui, j'étais trop loin dans mes souvenirs. T'étais un peu optimiste, hein. Ouais. En tout cas, tout le monde est mort ici. Ouais, je regarde bien les murs en même temps qu'il n'y a pas une petite surprise. Oh, le purée. Mais hey. Oh, mais non. Ouais, ils sont chiants, eux. Ouais, c'est vrai qu'ils sont... Maintenant. Oh, mais j'ai appuyé pourtant. Ah ouais, t'as vu, c'est Scream. Bon, je tiens quand même à dire que ce cinquième boss m'a l'air bien compliqué, quoi. Ouais. Parce que... Ah! 3. Ouais. Là, il y a eu les 3 lumières. Ben, j'essaie d'aller vite. Mais non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, c'est dès que vous le voyez en train de brandir son épée, il faut vite le taper et puis mettre une bombe. Et le 4, il est tout en bas à droite. Ah, je peux pas te battre. Oscar abandonne. Ouais. Il abandonne vite, hein.
Ah, ça, ça va nous faire du bien, ça. Une carte. Il n'y a pas de passage secret. Ok. Là. Ok. Bon, maintenant, on va aller au retour. Là. Mais ici. Ah, zut. Ni de passage ici. Là, c'est le 1. Ouais. Ouais, j'ai oublié qu'il balançait des trucs, les rouges. Enfin, les rouges. Ouais, au star rouge. Ouais. Bordel. Oh, mais crotte, pourquoi je me balance sur eux à chaque fois? Purée, c'est pas mes amis en plus, ça. Quand il y a des chauves-souris dans un niveau, tu peux être sûr que là, c'est en réalité un manque d'idées. Ah ouais? Ouais. Non, mais tellement que je n'aime pas les chauves-souris dans les jeux. Et tu vois. Mince. Ouais, j'ai perdu l'habitude de faire ça. Ce qui gère notre petit Seb. Si je me trompe pas, c'est ici que l'on va se battre pour la quatrième fois. Ouais. Wow, wow. Oh. Ah, t'es en pétard, hein. Mince. Ouais, ça m'a touché quand même. Comme une étincelle dans tes yeux. Et voilà. Ouais, enfin, putain, ouais. Le grappin, quoi. C'est un truc de malade, j'adore le grappin. Et c'est pas le boss hein, du jeu, attention. Ah bah non, bah non. Mmh. Mais quand même, on... tu pourrais te poser des questions quand même. Hein. Parce que tu te dis, si là on en a galéré comme ça pour un grappin, qu'est-ce que ça va être le boss 5 hein. Ah bah, il va être un peu plus chaud. Et en plus, avec ça, je fais des dégâts aux ennemis. Ouais, des petits cas, parce que dans celui-là, il va en falloir. Hein. Hein?
qui lui a piqué son masque. Ouais, c'est pour ça que je l'adore. Et c'est pas pour rien que je dis que je l'adore, ce truc-là. Je peux même piquer des rubis à longue distance et tout, c'est génial. Waouh, 100 rubis. Ouais, 100 rubis. T'imagines, 100 rubis. Par contre, la flamme, elle est toujours invincible. Je m'en doutais. Voilà, je voulais montrer. T'as vu, il ressemble un peu à Croque-Mou quand on lui enlève son masque. Un Croque-Mou, c'est ce truc avec. Comment il s'appelle là, Chasseur de dragons. Là. Là, ça va bien gérer. Il y avait pas un truc à faire ici, là, il me semble que oui. Il y a plein de coffres là-haut. Ouais. Pense tout autour. Ouais. Non, à chaque fois je me fais coller, c'est incroyable. Mais c'est parce qu'il t'aime trop. Ouais, bah. Il t'aime trop, tu vois. Ah oh, bah oui. J'avais oublié ça. Il t'aime trop. Oh, c'est une fée. Ouais, et maintenant les fées, je les chope un coup de grappe. Oh, c'est pas gentil. Ah, j'utilisais déjà mes clés. C'est là qu'il y a un trou de serrure. Ouais, bah c'est que j'ai déjà utilisé mes clés. Oh purée, d'accord. Donc il y en a d'autres. Il y a un escalier là-bas. Ouais, mais je pouvais pas y accéder. Tu croyais quoi, là? Oui, la boussole, elle s'est activée là, c'est normal. Ou la carte, je sais pas. Et ça? T'as vu, il y avait un truc qui s'est activé comme ça. Ah ouais? Quand t'es rentré, ouais. Oui, vous avez récupéré une clé. Wow. Alors, maintenant qu'on a effectué tout ce qui est en bas, maintenant on va fouiller la pièce du haut qui a une serrure. Bon, ça c'est indestructible. J'aime bien parce que là, oh là ! Ouais. Avec une clé normale, tout un triangle. Wow. Non, trop tard. Bon, je m'occupe d'abord de celui-là. On dirait quand on tue Ganon, c'est que là, ton œil ouvert. Hein. Ouais. C'est vrai. Les bébés Ganon. C'est des bébés Ganon, ouais. Ah voilà, hop. À ton tour.
Voilà, c'est bien, bouge comme ça, oui. Ouvre ton œil. Ouais, je t'ai dit d'ouvrir ton œil, Jean-Claude. Hein? Ah oui, ah oui. Il faut que je fasse attention. C'est un peu prévisible, un peu quand même. Ouais, je voulais en balancer deux pour voir, mais j'étais trop loin. Je suis peut-être trop loin. Ouais, non, je peux en balancer qu'une. Elle a crevé, oui. Voilà, voilà. Et c'est pas un boss, hein. C'est quoi le truc bleu au milieu? Pas d'importance? C'est juste un téléporteur pour me mettre au début du jeu. Parce qu'à chaque mini-boss que l'on tue, en fait, ça donne ça. Hey! Tour de magique! Ouais, je les écrase parce que ça donne des cœurs, le plus souvent. Ah, pas de clé. Oh, j'ai été trop vite. Where is the key? Oh, tell me. Oh, bah voilà, c'est fini quoi. Où est la clé? I want a star, shove. I want a star, quoi? I want a star, shove. I want a star, la clé. Ah, parce que maintenant on essaie de placer parce qu'on a des abonnés de tout horizon. Ouais, ouais. Ah, moi je suis très contente qu'on ait des chaînes gaming portugaises et brésiliennes qui nous suivent. Hein. Oh, oui, c'est vrai que on a même aussi des étrangers et tout. Ça, c'est l'avantage d'avoir une voix off qui parle anglais, espagnol, portugais et italien. C'est ouais. Vachement pratique. Et vous avez vu, j'en ai de la chance. Hein. Alors, en fait, qu'est-ce que l'on peut. On peut aller. Ah, bah oui! On a tout là-haut, il y a le boss. Oui, oui, oui. Bah attends, regarde. Il y a cet endroit-là que l'on n'a pas fait. Tu vois, là. L'endroit-là, c'est qu'il y a la galette qui est la porteur. La galette? Ouais, la galette. C'est pas la galette? Ça va être Halloween. Ah oui, on n'a pas été. Ah oui, c'est vrai que ça va être Halloween. Halloween, 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 Halloween. Ici, là, on n'est pas allé. Mais les crottes. Deux biques. Biquettes. Ah ouais. À la biquette. Crottes des biquettes. Crotte de biquette, crotte de biquette. Alors, bibi, quête. Ouais, 50 rubis. On va aller vite, là, on va aller vite, on va aller vite. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai vu qu'il y avait un. Un truc là que ça intéresse beaucoup, ça m'intéresse aussi, ne vous inquiétez pas. Encore 50 rubis. 50 rubis. Ouais, ça fait 100 en tout. Et on en a de la chance là. Hop. On a trouvé la clé. Ouais, la clé. Tu peux rien, on est caché. Ouais, mais là,
Moi, je dirais tant qu'on est là, tranquille, on ferait pas une petite pause. Ouais. Avant la suite. Ouais. À toutes. À toutes. C'est pas fini. Et donc, de retour à Zelda. Avec une petite crêpe d'avalée encore. Ouais. Vous l'entendez, hein. Ouais. Ne vous en faites pas, de toute façon, on fera pas de vidéo en ASMR. Hein. Non, c'est pas notre truc. Non, non. Parce que moi, quelque part, dans le ASMR, je trouve ça un peu... c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu du fétichisme des sons, je sais pas quoi. Non. Bon, alors, pour finir, quoi. Oui, je regarde partout. Mambaleya. Bamboleya. La 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 la, et puis machin. Ouais, et puis là, c'est... Comment j'adorais cette musique. Tiens, avec la fin, elle fait la 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 la. Ah, me mets pas sur le chant de la chanson, après je vais casser les oreilles aux abonnés. Tu crois que moi je leur casse pas les oreilles, vous direz le chanteur là, c'est là qui chante casser la voix là. Ah. Patrick Bruel. Ouais, Patrick Truel. Il casse pas les oreilles, Patrick Truel. Avec ça, Pascal au bistrot. Ah. Oui. Ah. La classe. Oui, alors je suis revenu là parce que je voulais pas aller avancer plus loin avant d'aller là, quoi. Parce que ce coffre là pour moi il est un peu important parce que voilà, c'est la clé du boss. Et ben ouais, avant parce d'aller, que sinon on rentre autres. Pas. Voilà. J'étais là avant d'avoir eu le grappin, non ? Je sais plus. C'est là quand je disais ouais, mes souvenirs, j'ai, ouais, parce que c'est mon cerveau qui voulait en finir plus vite que déjà, quoi. Alors attends, parce que là il faut maintenant que j'arrête de faire n'importe quoi puis que je me concentre à mon truc, là. Non, je ne ferai pas toucher. Voilà. Perfect. Son chien, c'est plus au bout à la noix là. Il arrive, hein. Vous avez vu l'esquive. Voilà.
Non, on va essayer de voir pour essayer de... Bon. J'espère qu'elle n'est pas vide le flacon parce que crotte. Hein. Une fiole. Ouais. Il s'agit d'une fiole. Oh, une fiole, flacon. Hein. Pour moi, c'est un peu la même chose. Oui, je retourne ici parce que j'ai besoin de récupérer des cœurs. Parce que là, je suis maintenant à... pas loin de péter la tête au boss. Vu qu'on croit que c'est le seul endroit que l'on peut farmer des cœurs sans se faire en retirer, si on a, à part si on est bête. Ah ouais, ça revient pas comme sur la Game Boy aussi. Oh bah c'est pas vrai. À moins que là. Non, même pas. Ok. Bon bah c'est pas grave. Ah, c'est le Denestan qui me dit qu'il faut que j'aille tuer le boss. Va-t-il y arriver? Ça, c'est la question. Ah ah, tu es... That is the question. Ouais. Ok. Mince. Il faut que je balance le truc comme un hameçon et après que je donne des coups d'épée. Ah voilà. Eh ben c'est un gros toutou mineux celui-là. Sauf que là purée, mais c'est plus rapide sur la Game Boy, là c'est trop lent pour moi. Ah oui, c'est vrai que c'est droite-gauche, machin. Droite-gauche? Ouais. Ouais, surtout regarde mon cœur. Ouais, la musique elle est un peu stressante quand même. Moi je continue de dire que ça me fait penser à Tortue Ninja. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Et ouais, oh là là. La la la. La 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 machin de Dieu parce que je suis nul en anglais. La 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 la. C'est du salon. Non, papy du salon. Ouais, ce sera pas papy du grenier. Tu vas mourir, oui. Oh, il en faut pas mal de coups. Oh, ça j'ai oublié. Oulala, oulala, oulala. Wow. Non, 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 non. Tu n'as toujours pas compris quelle était la véritable nature de cette île. Tu es tellement naïf. Ha! Tu es tellement naïf. Recule et pourrais te péter à la gueule, le gars. Non, non, je peux pas bouger. Non, c'est vrai. Ouais. T'es comme moi avec Picsou, toi. Hein? Avec pas beaucoup de... Ouais.
Je me suis touché une fois, c'était KO. Ouais. Sauf que là, je suis pas mort une fois, comme dans les chevaliers du Zodiac, ils t'en prennent pas la gueule et après hop. Voilà, bon, bah, j'ai encore gagné un cœur, blablabla. Et voilà. Donc, c'est sur cette note de musique qu'on va vous quitter. Vous quitter, les amis. Voilà. Hein. Surtout que n'oubliez pas, on vous aime. Hein, on vous remercie énormément pour votre soutien, franchement. Il n'y aura jamais assez de remerciements pour vous dire merci. C'est vrai qu'en plus, ça nous fait plaisir parce que bon, c'est un peu une reconnaissance parce qu'on se dit quand même à la longue, ça serait vraiment chiant, les gens ils perdraient pas leur temps à venir, enfin, j'espère. Voilà. Donc, en tout cas, merci. On vous dit peut-être à demain pour ceux qui seront au Paris Manga. On a notre fille avec sa copine qui seront avec des gentilles pancartes free hug, celle du salon. Donc, on nous reconnaîtrait. Vous avez nos photos sur Instagram, parce qu'on nous a demandé, donc j'ai mis des petites photos de nous. Voilà. Et donc, Instagram, Snapchat, et tout ça, c'est 7 du salon. Voilà. De toute façon, je vous ai mis des liens sur la bannière. On devient pro maintenant. Petit à petit, on essaye de mettre des trucs. Ouais. Vous avez un lien direct sur notre Messenger, mais je vous conseille pas parce que on est obligé de se connecter dessus. On n'a pas encore le lien sur nos ordi et autres. Instagram, on est très réactif. Et puis, Facebook. Voilà. Donc, c'est une bonne soirée. Oui, voilà. Avec cette dernière musique. Hein, et puis, surtout, n'hésite pas, pouce bleu. Liker, commenter, partager, découvrir nos vidéos à tes amis. Donc, je sais que souvent on a des gens qui nous disent Didine, ça vous dérange pas d'aller jeter. Si vous voulez qu'on aille jeter un œil sur une chaîne de nos amis, on ira, il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'on commence et on sait que c'est important d'avoir du soutien. Voilà, on a un de nos abonnés, Nathan, si tu nous écoutes, qui a 48 abonnés, qui me disait l'autre jour, je pense que je vais arrêter YouTube. N'arrête pas. Non, n'arrête surtout pas. Et puis d'ailleurs, on va essayer de te contacter. Voilà, tôt ou tard. On avait déjà fait une petite pub pour lui, il avait fait une pub pour nous. Tôt ou tard, continue de faire ce que t'aimes. Ne regarde pas. Alors c'est sûr, ça fait plaisir. Autant quitte à faire des vidéos, autant d'avoir des abonnés. Mais c'est quand même une belle aventure et une belle famille que cette famille de YouTube. Voilà. Ouais, parce que sans vous, sans abonnés, il n'y aurait pas de YouTubeur après tout. Donc c'est vous qui est le plus important. Voilà. Sur ce mot de la fin. Voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao et prends bien soin de toi. Ciao, amigos.